Donc voilà, Jean-Marc Rochette, l'auteur de d'Aile froide, qui est un livre sur mon autobiographie, une autobiographie sur ma jeunesse à Grenoble, parce que je voulais être guide de haute montagne au départ. Je ne voulais pas être dessinateur de BD, je voulais être guide de haute montagne. Voilà, donc c'est l'histoire à partir de 12-13 ans jusqu'à ce que j'arrête l'alpinisme de haut niveau, entre parenthèses. Pour l'écrire, ça a été très vite. J'ai travaillé avec un co-scénariste qui s'appelle, on l'a écrit en 2 mois tous les deux. Et j'ai storyboardé, mais je pense que la maturation, elle a pris près de 40 ans. Puisque je pense qu'on ne réfléchit pas toujours à ce qu'on va faire, mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment quitté la montagne, même quand j'y allais plus. C'est un truc que j'avais à l'intérieur de moi. Et quand j'ai commencé à tirer sur le fil de ma mémoire, tout est sorti très facilement. Donc je crois que j'avais ça en moi, quoi. Je pense que je portais ça comme un fardeau, en fait. Et c'est plutôt le fait de l'écrire et de le dessiner qui m'en a libéré, en fait. Curieusement, la mort des camarades, mon accident, tout ça, c'est un truc que je portais. Et comme je ne l'avais pas extériorisé, c'était tout le temps là, un peu, quoi, comme un espèce de caillot dans le cerveau. Ça l'a plutôt dissous. Ouais, je pense qu'Aile froide, c'est une recherche d'absolu. C'est-à-dire que c'est une recherche... J'ai toujours pensé qu'il y avait un secret en haut des montagnes, quoi. Et que de gratuité aussi, de choses qui... On fait ça pour rien, on prend des risques insensés, mais ni pour être connu, ni on cherche un... C'est s'approcher au plus près de la beauté, en fait. Et je pense que c'est ce que cherchent les grimpeurs sans trop le savoir, et je pense que c'est ce que cherchent aussi les peintres. Hein. Voilà, donc... Sauf que dans le cas de la peinture, on ne risque pas vraiment sa vie, et en montagne, oui. Quoi. Voilà. Je parle de Soutine parce qu'il y a son tableau le plus connu est à Grenoble, et quand j'étais enfant, j'allais au musée de Grenoble. Et c'est un tableau qui m'a plu, je pense, par son expressionnisme, le fait qu'il y ait de la viande, que ça soit cru. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais après, ça m'a suivi, parce que comme ce peintre était extrêmement sincère dans sa démarche, j'ai dû... chercher, c'est à suivre ce chemin de la sincérité, que ce soit dans la peinture ou dans l'alpinisme. Voilà, je crois que je suis quelqu'un d'assez sincère dans ce que je fais. Quoi. Bah, quand j'étais jeune, je faisais plus de la grimpe et le dessin, c'était un petit peu annexe. Et puis maintenant, je suis un professionnel à 100% du dessin et je continue à grimper, toujours. Ouais, je grimpe là, je me suis remis depuis 3 ans, je fais même des jolies petites voies. Quoi. Enfin, des jolies petites voies, j'ai fait la traversée de la Meije. Qui est quand même une voie engagée, on va dire. Et je grimpe très souvent avec une amie mathématicienne et on va grimper tous les deux. Elle est meilleure que moi. Elle mesure 1m55, elle est meilleure que moi, donc ça m'énerve un peu, mais c'est la vie. Il faudra que ça restera un rêve parce qu'il y a des jeunes guides qui me proposent de la faire éventuellement. Alors là, je serai en second et je ne veux pas la faire, en fait. D'abord parce que c'est une voie qui est quand même très engagée, très risquée, et puis j'avoue que j'ai pas envie. Mais non, je laisse ça comme ça, quoi. C'est un rêve. Hein. C'est comme les choses qui ne sont pas faites, faut pas revenir. Quoi. Ça, c'est une planche qui représente l'endroit où on s'entraînait avec mon camarade Philippe Sampé. Et c'est juste à côté de Grenoble, c'est à Fontaine, et c'est juste au-dessus d'une zone industrielle, en fait. Donc on grimpait et en dessous, on voyait les gars qui bossaient en usine. Et maintenant, c'est devenu au pied, c'est devenu une décharge publique. Et pourtant, c'est un endroit qui était très beau, un rocher assez gris un peu. Et voilà, donc les gens ils vont plus trop parce que c'est un endroit un petit peu dur. Mais nous, c'était notre coin où on allait tout le temps. Donc c'est là que j'ai représenté mon copain Philippe Sampé, là, moi qui grimpe. Et puis c'est zone industrielle et... Et c'est vrai qu'il y avait ce côté, on était directement liés avec la société. Et moi, je me sentais libre et je voyais que les gens, j'avais pas envie de finir en usine, quoi.